Pourquoi 4 télescopes pour le projet Spéculoos? Eh bien, c'est très simple. En fait, il y a environ 500 étoiles ultra-froides et naines brunes qui sont visibles depuis l'hémisphère sud et qui sont suffisamment brillantes pour qu'on puisse détecter des planètes de la taille de la Terre, des planètes qu'on pourra étudier par après. Et pour pouvoir chercher des planètes autour de ces étoiles en un temps de quelques années, il nous faut 4 télescopes, parce que chaque télescope va rester à observer la même étoile pendant 1, 2 ou 3 semaines, ça dépend de l'étoile, et puis passer à une autre, donc c'est un processus assez cher en tant que télescope. Et pour compléter le programme en un temps de quelques années, ce qui est notre objectif, bah, il faut tout simplement plusieurs télescopes, et on est arrivé à la conclusion qu'il en fallait 4. Et grâce à ces 4 télescopes, en environ 5 ans, on aura complété notre programme, trouvé ces planètes, juste à temps pour pouvoir les observer et étudier leur atmosphère avec les futurs télescopes géants qui arrivent, qui sont notamment le James Webb Space Telescope, le remplaçant de Hubble, mais aussi l'ELT, donc l'Extremely Large Telescope européen, qui sera construit d'ici 6-7 ans au Chili.